Hey, salut YouTube. Bonjour, bonsoir. Ça va être compliqué YouTube. Ça va être compliqué. C'est la suite donc de notre game sur Diablo 4 en hardcore. Sauf que le build a été intégralement refait. Parti sur des choses. Je me suis dit, ça a l'air d'être bien. Mais à tout moment, ça part en zouzoute. Qu'est-ce que j'ai mis là? Afflux sanguin. Ah oui, j'ai gardé mon AOE. Eh, parce que j'ai un niveau d'afflux sanguin. Attends, va falloir que je me... Putain, faut pas que je me mélange les crayons, parce que ça va être terrible si jamais je me vautre. Là, c'est la brume. Réanimation de squelette, je vais la mettre là. On va mettre ça ici. Comme ça, ça fera tac-tac. Là, j'ai la brume là. Non, justement, je vais mettre la brume comme ça. Réanimation de squelette, l'armée des morts. Et mon AOE, donc, sera sur mon clic droit. Ok. Ok. Bien. Eh ben, go. Alors donc là, YouTube, on est parti, vu que ma nécromancienne est level... On récupère la secondaire avant de partir. Ah, je croyais, qu'on s'en foutait des secondaires qu'on a récupérées tout à l'heure. Ouais, mais là, on va pas retourner dans cette ville avant longtemps. Oh. Ok, y penser. Une folle armée d'une hache. Elle a massacré mes chevaliers, comme si c'était un jeu d'enfant. Sinon, on va faire ton golem. Elle semblait dévastée, comme si elle agissait contre son gré. Combien tu paries que c'est derrière, dans le bâtiment éclairé, là, qu'on va devoir aller pour cette secondaire? Quelqu'un doit lui reprendre cette maudite hache. La cave est grande ouverte. La milice du village n'a aucune chance. Alors là, j'ai pas testé mon build là, ça va être terrible. Ouais, effectivement, c'est là. Tu veux la faire pendant qu'on est là? Je ne ferai pas ça en ville. Si tu veux, hein. Si elle est... Je me rappelle pas si elle est rapide, toi. Putain, ça va être chaud patate. Hein. Donc, bah, justement, si c'est une secondaire, ça va être assez simple. Donc tu vas pouvoir tester ton build aussi facilement. Alors, de toute façon, ça va être brume de sang. Je vais créer des dégâts. Spawn des cadavres. Au besoin, on spawnera d'autres morts. Bah, ça croquille, hein. Magdalena ? Reculez ! Celle-ci a imploré la pitié. Aujourd'hui, elle se délecte des chairs humaines. D'accord. Excusez-moi, madame. Ma vie a pas bougé. Et ma fortification a fait le boulot. Ma fortification a étonnamment bien fait le taf. Magdalena, par la lumière sacrée, comment cela a-t-il pu arriver? Oh bah, terminé. J'ai besoin de vous, et le temps presse. Nous devons purger la lame du démon avant de la détruire. Ah ouais, donc c'est peut-être pas fini finalement. Retrouvez-moi au roc des vents mauvais. Mon étude là-bas se situe sur un sol sacré. Il n'y a pas de lieu plus sûr pour réaliser une incantation. Ok. Alors Diablo 4, un avis? Pour l'instant, avis globalement positif. Mais après, on vient de commencer le jeu. Hein. Donc, niveau 25, on est loin d'avoir encore étudié tous les aspects du jeu. Mais en tout cas, ouais, première sensation, j'avais l'impression de me retrouver sur Diablo 2. Hein. Vraiment, on est à la maison, quoi. Bon alors, on continue la secondaire ou on se corse? Attends, j'ai un bonus. Plus 10 000 pièces d'or et 1 de capacité de la potion. Oui. Ouh, donc on pourra porter une potion de plus. Ah, c'est bien ça. Plus 4 points de parangon. Ah, mais ça c'est plus tard ça. Ok. La secondaire, après la suite. Ouais, la suite elle a perpétue sur Saône quoi. Alors qu'on est à côté de mon... On est à côté de là où je dois aller pour faire ma quête oh, de... On continue ta quête, hein, la secondaire à l'attendant. Donc quête de classe qui va me permettre de débloquer le golem. Nouvelle invocation. D'ailleurs, tu vas devoir sacrifier une compétence de ta barre, ton golem. Eh ben, ce sera très certainement mon afflux sanguin, on verra. Il me faut plus de temps. Bon messieurs, moi je vais vous laisser. À la bonne nuit, bon. Yep. J'ai une perte sur YouTube. Et ben, bonne perdition. Merci beaucoup et la bonne soirée, bon jeu. La bonne nuitée, des bisous et bon YouTube. Bye bye. Ah bon bruit. Ah.
encourager à me mal. Encourager. Brutal, ça me plaît. Bon, c'est comment déjà les emotes? C'est eux. Acclamé. Impressionnant. Un esprit vous suit. On a des dogos. Oui. Des dogos spectraux. D'ailleurs, ça doit apprendre de la part de Vulcain que dans les caves, il peut avoir le boucher. Je vais pas m'énerver. Non plus. L'ours arctique. Allez, apéro pour tout le monde. Il marche bizarrement ce build en fait. Là. Sanctuaire de Ratma. Interagir. Ce sera la plus bête et la dernière de vos erreurs. Ouais, bah je vous attendais. Hein? Pas de refus. Maître nécromancien, qui êtes-vous? Un professeur qui a consacré son existence à perpétuer les enseignements de Ratma, notre premier et plus grand nécromancien. Les esprits m'ont parlé de vous. Oui. Ils affirment que vous êtes une véritable alliée de la mort et des ombres, digne de ses plus importants préceptes. Ratma avait compris que la mort n'était qu'une étape, pas une fin. Il voyait le potentiel de métamorphose en toute chose, d'un tas d'os avec une petite étincelle de vie rémanente, à un chariot de fer brut issu de la terre meurtrie. Des théories de Ratma sont nées les golems. Il est temps que je vous révèle ce dernier secret et que je vous intronise en tant que prêtresse de Ratma. Allez collecter des os intactes pour façonner votre golem. Ouais. Je vous fournirai ensuite de plus amples instructions. Regardez. Ok. Oui. On a l'idée que les os sont là. T'as récupéré la statue, Guy? Non, non, je récupère surtout mes items de quête pour l'instant. Là. J'ai perdu de vie. Regardez. Regardez. Capacité maximale de d'orbe, je mes couilles, voilà. Ah ouais, d'orbe des couilles, waouh. Du coup, faut que je ramasse encore beaucoup des ours. Ah, je me gourre à chaque fois, putain, dans mes touches, bordel. Non. Il me faut plus de temps. Comment ça, plus de temps? Ah bon. Attends, faut que je change ma barre de spell. J'arrête pas de me mélanger les crayons. Hop. La merde depuis tout à l'heure là. Ah mais non, faut remonter là-haut. Il y a une zone ici, faut rester dans cette zone et trouver des os. Très bien. Je rejoins pas Cobra, laisser mon perso level 25 crever, mon backup il est que 15. Ah. Oh, c'est un menteur, je l'ai pas laissé crever, il s'est fait one shot. Bon, je peux laisser crever quelqu'un qui s'est one tap. C'est mauvais Xavier, c'est pas ma faute. Zone ici, on reste là. Attendez.
Oh le barbare qui est énervé sa mère. Il est une niche 3. Vous aurez besoin d'une essence de vie, un esprit, pour transformer votre golem. Un ignoble artefact est enterré sur une colline non loin d'ici. Son but est de piéger les âmes en leur soutirant leur pouvoir magique. Libérez ces âmes, et peut-être vous aideront-elles en retour. D'accord. Et alors, ça se passe où? Merde, comment on fait déjà pour pigner les quêtes? Logiquement, tu appuies sur M, tu vas à droite et tu prends la quête qui t'intéresse, et logiquement, c'est bon. Ah oui, c'est le menu qui est là. L'appel de l'eau de la fabrication de gemmes. Trouver la grotte contenant l'ignoble artefact. Ah d'accord. C'est là-dedans. Alors, se balader dans des zones que l'on ne connaît pas encore. Il s'est baladé, hein. Il a découvert. J'entends là. Ah, événement logique. Il y a des pop. On se fait des obols si on fait une événement physique. Des obols, ça veut dire quoi? Thème légendaire. Enfin, pas pour moi, pour toi plutôt. Ouais. Je ne suis pas encore. On était presque pour le légendaire, moi j'ai qu'une armure. Hein. J'ai compris que le jeu avait choisi son favori. Hein. Je ne suis pas encore. Alors les mobs, vous pouvez pas te dire. Je ne suis pas encore prêt. Oh bordel. Il me faut plus de temps. Ouais, je sais pas trop quoi en penser là. Peut-être que c'est encore trop nouveau, je sais pas. Mais j'ai l'impression de pas mal me mélanger les crayons en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu le pifomètre là. Mais non, mais quel connard! Putain! Tu peux extraire la gemme, hein. c'est pas problématique. Ah ouais, on fait comment? On peut l'enlever? Tu vas avoir le PNJ. Il y a. Tu vois, chat, il y a un mec qui s'occupe des gemmes. Il les retire. Il peut les retirer. Ouais, d'accord. C'est idiot. Ah, je s'appelle Groot. Ah oui. C'est plus Groot. C'est une boîte chauffage. Merde. Bon débarque, monsieur. Ah
Ah putain, attends. Je vais faire des changements, mais il faut que j'attende que mes compétences reviennent. Ouais. Ah, c'est trop le pif. Mais... Ah mais non. Oui, on... Ça, je pense. Là, voilà. Ce sera déjà plus intuitif pour moi. Yes. Non, parce que je me mélange un peu trop les crayons, là, dans mes touches, là, et je fais un peu de la merde. Oh, j'ai bien compris, t'inquiète. Je vais caner. Ah, faut faire gaffe à les messieurs avec les cornes, ils font très mal. Il y a un truc qui va pas sur ce build, je vais devoir le refaire encore. Alors faut peut-être que je lui donne une chance en pexant un peu, en prenant des levels. Voilà. Voilà. Ah. Fais gaffe à ces mobs de la tête quand même. À la base, parce que je voulais regarder, c'était ça. Ouais. Le truc qui remonte sur ta vie, on dirait qu'il y a deux barres de vie. Oui, c'est de la fortification. En fait, c'est une sur-barre de vie, on va dire. C'est une surbarre de vie qui est générée par certaines de mes compétences. J'ai pas énormément d'armure, mais là ça va le faire. Oh, chasseuse. Les bêtes ne peuvent résister à l'odeur du sang, même le leur. J'en ai assez ici pour en attirer quelques-unes. Oh, vous voulez vous comprendre un truc? Quoi? En fait, chacun de mes équipements qui augmente mes stats, même si je l'utilise pas, l'équipement, tu vois, par exemple, je peux être à deux épées ou à un marteau, et bah tous ces équipements qui donnent des stats, ça proc en fait, j'ai pas besoin de le jouer. D'accord. C'est pour ça que j'ai des stats de fou furieux, je comprenais pas. Mais attendez, mais quelle magnifique info! En fait, si, c'est pas mal pour du démobage. Pas mal du tout. Ok. En fait, ton build n'est pas mauvais. Mais il a paru trop tôt. Il manque des points pour le rendre vivant. Il a paru trop tôt. Comment ça, il a paru trop tôt? Perturbant. Hein. Je n'ai pas gagné beaucoup. Ça ne me rendra pas riche, mais... Ça me sera utile. Tenez, c'est pour vous. Ah oui, quand même! Ça vous rendra pas riche, mais ouais, c'est pas dégueu, hein! Ouais, c'est ça. Merci, madame. Ouais, en attendant. Ok. Ah,
Je pense qu'après, ouais, je vais voir peut-être pour gonfler la puissance de mes... Je sais pas si je gonfle la puissance... Oh putain. On attend level 50 pour créer un build. Ah bon? Problème. Là au moins je me mets la base, on va dire. Oui, si t'es en normal game, pas quand t'es en master où tu peux crever à tout moment, là il peut déjà avoir un build valve avant même d'arriver au niveau 50. Sinon tu fais pas le niveau 50. Le voilà. Faire ce givre. Qu'est-ce que c'est? Ok, donc il y a cette, il y a le refuge du lac. On peut le faire pendant qu'on est dessus. Waouh! C'est moi, ouais. Un gros bâtard qui a mis une miche avant qu'on rentre. Je suis pas rentré encore parce que je suis en train de me battre contre ce gros bâtard. Il est mort. Il a voulu me frapper pour m'empêcher d'entrer. D'accord. Sympathique le gonze. Alors fais gaffe, il peut avoir bouché. Oui, dans les cases, il peut avoir le bouger. Oula. Alors, je te confirme, il est pas là. Je ne suis pas encore prêt. Monsieur, vous vous battre, hein. Je ne suis pas encore prête. Alors, j'ai eu chaud au cul. J'ai eu chaud à mon petit cul. Oh, qu'est-ce que c'est que cette armure là? Bon, c'est officiel, j'ai dépassé les 200 de force. Je perdrai plus sanguin. Oh là. La dex, ça sert à quoi sur elle? Force d'infliger un coup critique. Au moins 1600 d'armure, ça me permet de tanker un peu plus. Offrez des modifs. Je trouve que la compétence principale, celui qui envoie les squelettes, je la trouve plutôt fort et fun. Ah, et plutôt balèze, ouais. Plutôt balèze et utile. Alors, visiblement, on va... Là, il y a une quête secondaire, là. What? J'ai rien, moi. Oui, bah, c'est oui, c'était une plante. Oui. Ouais, je l'ai ramassée. Là. Ah, mais... C'est pas une quête secondaire. C'est là où je dois aller visiblement. C'est dans ce truc. Ah, va falloir que je me TP sur toi. Ok. Dès que tu rentres dans le truc, tu me dis je me TP sur toi. Je te dis ça. Ok, je suis dedans. Ah ok. Là. Yes. Alors. Je refais Edith compte venir à la Pictasia 2024. Salut Yumanji. Ah oh là, c'est pas un piège ça?
La Pictasia 2024, je sais pas. Sa mère, la chouin. J'ai pas vraiment pensé. J'ai même pas les dates. Eh mais... Oh merde, je suis un connard. Attends, oh putain. Nous sommes prêts. Répétez après moi. Esprit, je vous offre ce réceptacle. Protégez-nous afin que nous puissions préserver l'équilibre. Esprit, je vous offre ce réceptacle. Protégez-nous afin que nous puissions préserver l'équilibre. Ok, j'ai une amulette qui a pas l'air moche. Nouvelle invocation golem. Ah, ah bon? Comme ça, direct? Ah yes. Golem d'os. De sang ou de fer. Ah. Chaque fois que votre golem d'os subit un montant de dégâts avec la présence de votre vie, se déleste d'un cadavre. Le golem, le maximum de points de vie de votre golem d'os est de compter 10% et le montant des dégâts d'épines qu'il hérite de vous passe de 30 à 50. Faire là-dessus. What the fuck is that bordel? Là du coup j'ai un point de compétence en plus. Ébuer. Vierge de fer, golem. Oh bonjour. Ok. C'est donc toi mon bro le golem? Oh t'as une gueule mon ref. Et le golem a sa propre compétence que tu peux utiliser à tout moment. Et chaque golem a sa propre compétence. Le golem de sang a une compétence particulière, le golem de fer a une compétence particulière et une boss aussi. Ok. On n'a pas encore annoncé, mais c'est en février 100%. D'accord. Bah, faudra que je vois à ce moment-là. Je pense que je verrai mes dispos en février. Puis l'année dernière, ça coïncidait pas parce que j'étais pas dispo sur le moment, mais. Faudra voir ça l'année prochaine, ouais. Oh putain, je suis fou au niveau de l'inventaire. On fait une petite TP en ville? Ah oui, Go Curious, j'adore. Je suis totalement d'accord. Dans l'inventaire est full de chez full, j'ai un point de compétence à mettre. Ouais, c'est le bordel quoi. Salut Brute Spawn. Et plus de place non plus, hein. Et je dois reroll des items. J'ai une petite info là, elle m'a rodé du bon au cœur. Ah, moi j'avoue, pour l'instant, je sais pas trop quoi penser de mon build là. Je suis un peu. Un peu perplexe, on va dire. Augmente les dégâts et les points de vie de votre golem de 25%. On a même partie des invités des deux premières années. Ah, d'accord. Ah si, je sais ce que je vais faire. L'armée des morts fait aussi son relevé. Bah oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais mettre la dernière perk sur mon ulti. Je vois quel build t'essayes de faire. Le seul petit problème, c'est que ça c'est late game comme build. Ah mais j'essaye rien du tout en fait. j'ai juste regardé en me disant tiens, ça, ça a l'air d'aller avec ça. Ça, ça a l'air d'être bien. Ça, ouais, bon, faut voir, ok. Mais...
J'ai tellement pas. Voilà. Je sais pas. Tellement pas target sur ce que je suis en train de faire là. Ça part un peu dans tous les sens, là je dois bien avouer là pour l'instant. C'est un peu légèrement le foutoir bazar. Le fameux foutoir bazar. Foutoir bazar. Oh là le bazar, oh là le foutoir. Magique. Hop, ça dégage. Du coup, réparer. Non, c'est pas lui. C'est qui le gonce qui me permet de retirer les gemmes là de mes artefacts, enfin de mes items? Je crois qu'il a peut-être du joaillier. Ah d'accord, c'est au joaillier. Après. Bah quoi que autant que j'ai maintenant. Joaillier, ouais. Ah bah en plus j'ai une quête là-bas, fabrication de gemmes. Mais mon perso c'était assis. Ah oui d'accord. C'est bien le réveil, bonne nuit, à plus. Yep, ça marche Jeff Lod, la bonne nuit, bon courage, et à une prochaine. Merde. Attends. Section dans le deuxième arbre. Ah oui, mais c'est une compétence d'ombre, section. Ah, je vois que vous êtes une connaisseuse. Oh, il y a que mes anneaux que je dois un peu changer parce que pue la merde. Pue la merde. Pue la merde. Pue la merde. Ouais, bah, je suis à 245 de force. Let's go. Pue la merde. Quasiment 2000 d'armure. Alors madame, est-ce que je peux avoir du légendaire s'il vous plaît madame? Anneaux et amulettes. Ah ils vendent des anneaux et des amulettes Jean-Michel là, mais ils me proposent pas de retirer les anneaux et les amulettes. Non, celui qui est à côté. Mes pierres précieuses. Ah non, c'est peut-être. Ah si, dessertir. Dessertir, si. J'ai trouvé un. Ah, c'est ça. Oui. Et dès que t'as fini, tu peux donner la fleur à la nana des potions. 5000 balles pour dessertir le bazar là. Vraiment. Culard. Attends, va voir comment, combien ça coûte de changer un enchantement. Bah putain, ça va, ils s'emmerdent pas. Ouais, ils sont dépouillants, non? Ah bah, littéralement. Ils s'emmerdent pas. Mais bon, ils font leur charme, hein, voilà, c'est pour ça qu'on les aime bien au village. Pas du tout. C'est une perce givre. Elle me serait utile. Bah, ravi que tu sois content. Content que tu sois contente. Les petites popos. De la petite pète. Alors. Mon golem qu'on peut plus de sa vie. Alors. C'est un bon recyclage. Là, c'est un bon recyclage. Vous pouvez prendre ce qu'il reste. Ouais. Surtout revendre ce qu'il reste. Alors. Ok. Donc, les bottes. Non, pas les bottes.
L'amulette, c'est non. Cette amulette-là... Attends, c'est non, merde. Non, c'est non. Faut voir. Bon, déjà, c'est sur ces 4-là. Vêtement du vice. Alors, les bottes. 11 de dex. Je perdrai. Non, pas cool, pas les bottes. L'anneau. Non. L'arme à deux mains. Non. Pouvoir légendaire. Ah oui, du coup, oui, je perds. Oui, c'est le passif, oui. Prison d'os crée un bassin de chancre qui inflige 128% de dégâts supplémentaires en 6 secondes. Ah oui, c'est que prison d'os, je peux plus l'intégrer maintenant, l'arrivée du golem. D'accord. C'est d'accord. Bien. Qu'avez-vous d'autre? Ah, ça me donne... Ah non. Après, les vrilles nécrophages, c'est vite fait utile, quoi. Je vais retourner voir la meuf là pour les obols là. Ouais. Ouais. Allez, je me suis fait soft. Ah. Que le père vous porte chance. Que le père vous porte chance. Ouais, tu as la paire avec. La paire, il n'y en a pas deux. Alors. Voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais demander? Peut-être de nouvelles jambes. Remarque, j'ai plus un brume de sang dessus. Explosion macabre. Ouais, non. Info, c'est là, faut que je le garde. Élégant niveau 21. Force niveau 19. Enfin, mes armes commencent à dater un peu. 15. Ah, mais je crois que les armes et catalyseurs, ça coûte plus cher, je crois. Ouais, c'est ça. Épée, faux, baguette. Et épée. Bah, je vais demander des gants, tiens, tu sais quoi. Mauvaise pioche, non? Mauvaise pioche, non? Adorable. Pas de chance. Vous voulez réessayer? J'adore ces petits messages d'encouragement là. Ah. Dommage. Trois paires de gants, trois énormes merdes. Bon, j'avais pas beaucoup de bol en même temps, donc bon. Comme quoi, on peut pas avoir du lège tout le temps. Hein. Besoin de forger quelque chose? Réparer, recycler, améliorer. Pas mal. Pas mal. Voilà qui est inattendu. Envoyez ta RNG. Vous en faites pas, ma RNG, je la trouve excellente pour l'instant. Ça se démantèle assez. Je sais pas ce que comment on pense de ma RNG pour l'instant. C'est une merde. Plutôt positif donc. Revenez s'il vous faut quelque chose. Je veux la même RNG. Très heureux. Ouais, mais faut pas que tu donnes l'impression de te plaindre tout le temps, ça va se voir au bout d'un moment.
pas moche. C'est parce que dis tes trois gants que tu avais. Ouais, mais moi j'ai trois pièces légendaires, j'ai quatre pièces légendaires sur moi. Comment, t'en as combien? Ouais, une. Voilà. Voilà, voilà. C'est là où vous voulez en venir, Cobra. Je fais la traduction pour ceux qui n'auraient pas compris. Et moi, c'est même pas elle qui me l'a donné. Oui, toi tu l'as trouvé. T'as vraiment tout pété. Toi tu l'as looté au pif en plus, toi, ta saloperie là. Ah, sur un vieux mob tout pété qui était en train de promener. Tout pété du boule. Alors. Ouais. Je vais vite faire mon coffre là. On part sur quoi après? On va. Au nombre de secondaires, on a l'embarras du choix là. Il y a une secondaire à récupérer déjà en haut là. Ouais, en plus, voilà. Allez, on va la récupérer. Joaillerie là. En plus, ce qui est pas mal, j'ai l'impression, c'est que le joaillier là, il prend en compte les diams que t'as dans ton coffre en fait. Oui. Ça, c'est cool. Ah! Celle d'en haut, c'est aller faire un fort. Et c'est chaud? Bah, le fort, il y a toujours deux niveaux plus que nous. Donc c'est chaud. Et il y a un boss après avoir libéré le fort. Et ça te permet de gagner une ville en plus. La plupart du temps. Okay, nice. Et un donjon. Et une statue de l'élite. Plutôt solide dans l'ensemble, quoi. En gros, c'est rentable de le faire, mais faut faire gaffe. Tu peux très vite mourir. Ouais, ça peut très vite... Virer au plomb cul. Maximum de vie augmenté de 2,5. Putain, j'en respirerai plus que ça. C'est pas le boucher non plus, mais voilà. 7% de réduction. Un seul rubis. Épine. J'ai combien de dégâts d'épine là pour l'instant? Alors, je comprends pas, c'est quoi les dégâts d'accablement? Ah, j'ai du mal à comprendre ça aussi. Ouais. Oh, épine 0, d'accord. Les dégâts infligés sont affectés par votre intelligence qui augmente vos dégâts de compétences. Ah, on peut ajouter. Ah, c'est des coups. C'est basé sur les compétences qui accablent. Ouais, ça vous qui accable ou pas. Ah, mais on peut améliorer les bijoux. Ah, mais je savais pas. Je viens de voir ma prochaine compétence que je vais prendre. Oh mon dieu. Oh my god. Je vais pouvoir me soigner en plus, mais... Ah, toujours plus, quoi. Ouais, je vais pouvoir me soigner 15% d'HP à chaque fois que je touche avec cette compétence. Nice. Ouais, le tank. Et puis là, j'en ai... C'est basé, de ce que j'ai compris, les dégâts d'accablement, c'est basé sur les points de vie. Sur tes points de vie à toi. C'est baisé sur les accablements. Ouais, c'est baisé les accablements. C'est basé sur tes points de vie et ça fait. C'est des dégâts. Mais arrêtez de me confondre avec Obsa, c'est une dinguerie ça. Hein. Quand c'est Obsa qui est invocable, vous l'appelez Cobra et quand c'est moi qui est invocable, vous m'appelez Obsa. Faire un effort, d'un moment. Surtout qu'on n'a pas la même voix. C'est adorable. J'adore. J'adore mon bébé, mais quand même, hein. Bébou! Ça me gnure. Ça me fait marrer, moi. J'aime bien, j'aime bien. Ah, je me doute que ça te fait marrer. Ah, mais là, faut savoir qu'ici, l'éclat est total. Hein. Oui, je me doute. Est-ce que tu veux tenter le fort? Tu veux du challenge? Ah bah peut-être avec ton build qui est pas...
pas encore prêt, je suis pas sûr que tu payes vraiment, non si, Attends. 1% de réduction de dégâts pendant la fortification, ça c'est bien ça. Je vais augmenter mes HP, je pense. Voilà, 508 points de vie, 1527 d'armure. On va la faire tanker un petit peu là. Ok, je vais chercher la secondaire. Tac. Le jeu me chie des légendaires, c'est indécent. Je reconnais ça, Xavier. Non seulement c'est faux, mais en plus c'est fait exprès pour trigger Cobra. Ouais. Je suis dégoûté. Bravo, continue. C'est bon, je me suis mis un titre incroyable. Oui, vous. Ne faites pas votre timide. Cette musique fanatique de Teia m'a volé mes yeux. Vous devez d'abord conquérir le bastion. Ah oui d'accord, il y a un bastion à conquérir. Alors sur cette map, il y en a 3 à conquérir, mais là, c'est... il y a une quête. Bastion de niveau 28. Et tu peux monter niveau 50, il sera 52. Ah saloperie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va le tatakai ou... Ouais, on peut tenter de tatakai. Et si c'est trop chaud, bah on se casse. De toute façon, moi, si c'est trop chaud, j'ai mon panic button, j'ai ma brume 200, quoi. Bon, si c'est trop chaud, je meurs. Mais logiquement, si je prends pas des effets de contrôle, je devrais pas mourir. J'ai découvert, j'avais 2 dash. Ah, c'est lié à tes bottes, ça. Ah, mon prêtre soigne aussi mon golem, ça c'est bon à savoir. Alors... Par contre les ours sont malins. Oui. Oh la régène de base de mon gladiateur là. Oh putain! Ah non, c'est bon. Ah, il faut faire gaffe, en plus, à chaque coup de hache qu'il te met, il te met faible, vulnérable. Ouais, c'est bien ce que j'ai constaté, ouais. Saloperie horrible là. Ah, coffre! Ouais, coffre. T'es un peu entouré d'ennemis, je crois. Soigne-toi! Je te sauve la vie. Attends. Je viens de le stun. Oh, par contre, ça drop fort. Hein. Ah bah, plus t'as de volonté, plus ça va drop. Hein. Pourtant, j'ai 102, 114 de volonté, mais moi, je peux même me faire foutre. Hein. Peut-être un jour, hein. Peut-être un jour, j'aurai le droit de jouer au jeu. Ah mais, d'accord, c'est plus intéressant, mais... J'aime moins les passifs, en fait. Ouais. Enfin, en fait, je trouve que j'ai des parts de stuff qui ont des bons passifs. Et ce que je drop, ça a l'air moins bon. Ah d'accord. Et tu cours tellement plus vite que moi. Merde. Je ne suis pas encore prêt. En fait, j'essaie de prendre tout le temps la provo pour pas que tu te fasses submerger de tes gars et tout ça, mais... Des fois, tu es juste dans la mêlée, tu prends des patates de forain. Merde. Il m'a mis au sol, enculé. J'ai pris une de ces mistres. Ah bah, les nounours font mal. Hein. Je suis pas bien ravi de ce que j'ai pris là.
Merde. Mais putain. Ouf, là j'ai un gros freeze. Cette merde. Putain, je mélange des crayons dans mes touches, c'est terrible. Le patient de Nostrava. Je vous écoute en l'heure que j'ai fait une sieste cet après, mais c'est en ce moment que je commence à récupérer par rapport à ma dialyse de ma journée. Full test d'hier, crevé, jogo m'allonger, écoutez le stream, good luck pour vous, pour le bastion. Merci beaucoup, j'arrive. Oui, j'accepte, c'est le bastion de mes couilles. Et bah, bon courage, Brenji, bon courage et bonne nuit, bonne sieste. Vous avez atteint votre destination et au secours, pas qu'elle soit pas défoncée. Ah. Je crois qu'avec Xavier, on devait réussir le bastion en mode extrême. On va à l'église. Bah, je te laisse parler à la madame, hein. C'est toi le youtubeur. Bon bah, ravi d'avoir joué cette nécromancienne. Soyez bénis, vous qui mourrez au nom de la mer. Le casse-moi, ça pue. Offrez à cette étrangère le plus sacré des sacrés. Allez hop, c'est parti pour nettoyer la zone. Explorer. Ah putain, on brûle là-dedans. Saloperie. Oh oui, non mais. Il y a un feu. Bah mais j'avais pas vu que c'est sorti avant, tu l'as pas vu. Et tu vois, regarde là. Yeah. Ah, un hôtel de l'élite. Ouais. Ah oui, c'est un hôtel, pas une statue. Oui, hôtel, statue. Ouais, ça a l'air de grogner dans le coin. Oh là, c'est quoi ces merdes encore. Mais... On va en chercher plus, t'as trouvé la bonne définition. Ah. Par contre, c'est pas des mers. Hein. Oula. Je ne suis pas encore prêt. Oh putain. Mon méchant pas bon, il fait mal. Hein. Oh sa merde. Ah gros. Rentrez monsieur. C'était là. Ce bordel ici. Ces effigies en restent de la corruption. Il y a beaucoup de monde dans cette si petite maison. Ouais, ça brûle là-dedans. Hein. Bien, le villageois. Excusez, t'es en train de taper un truc. Pas plus rien. Ici, il y a encore du monde. Il tape. Il faut prendre la statue vite, monsieur, on est passé devant. Ah d'accord. Je suis d'autres intelligents. Ah bah ça tombe bien. Ah oh, oui d'accord, donc c'est comme ça que ça se passe. Bon, il nous reste encore quelques maisons à libérer. Ah je suis en train de voir sur la map, il y a des points, ouais, d'accord. Oh ta merde. Ah. Attends, c'est quand je suis passé qu'ils sortent, c'est enculé. Bande de fourbes. Ah c'est du vis, c'est du vis là, hein, ces saloperies là. Hein. Ah, c'est des mon pourrières. Ah, y a un petit boss qui prenne. On prend un boss. Ah.
au discuteur. Il y a un autre qui arrive sur toi. Il y a son copain qui est arrivé. Je ne suis pas encore prêt. Ah bouge. Là il y a un autre boss. Parce qu'il y a une effigie démoniaque sur moi là. Il y a un boss sur la gueule. Ouais ouais ouais, bah elle est où ta gueule? Parce que moi j'ai plein de monde sur la mienne et je vois pas trop qui fait quoi. Je ne suis pas encore prêt. Shot. Ah le bâtard il a esquivé mon... J'arrive. Bon, Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Alors, j'avais un boss sur la gueule, il est mort de mon saignement, mais je ne sais pas où, parce que c'était un fil. Petite maison en bas. Oh putain. D'accord. Oui, quoi c'est-à-dire mais... T'as trouvé encore du lège? Du lège? T'as encore trouvé du lège? Moi? Non. Non, mais je te jure, j'ai pas trouvé de neige. Oh oh. Ah. Ça commence à toquer à la porte dehors. Il me faut plus de temps. Si on fire. Il me faut plus de temps. Je t'ai pris. J'ai un bon build de gel et pourtant m'a fait chier en normal, ça sent le sapin. Ah. Fuyez. Oh, il y a un boss, enfin il y a un connard. Oui, c'est lui, il invoque des ombres, je crois. Faut plus de temps. Ouais. Oh, venez vers moi. Allez, venez taper le barbare. Le barbare, j'ai dit. Un autre ami. Oh oh. Quand je suis rentré un peu vite dans ce bâtiment. Immédiatement, des regrets. Non, non, venez frapper le barbare. Laissez lui commencer à frapper, il est gentil. Bon, voilà. Oh putain. Oh bordel. Ah, le boss s'est téléporté, je sais pas où. Au hasard, je dirais sur ma gueule. D'accord. Eh, mais bloque le passage, les démons, j'arrive pas à rentrer. Ça s'est pas sorti, merde. Ah, il est là. Ah, il s'est retépé à l'intérieur. J'ai besoin de plus de temps.
Rush, Pieblo. Provocation. Ça va gros tout de même. Je ne suis pas encore prêt. Viens là. Oh, par contre, ça c'est les pires boss, ceux qui gèlent. Je ne suis pas encore prêt. Ah, la cloche sonne. Le moment du boss est arrivé. D'accord. Par contre, je comprends pas ce que fait la. Quand j'appelle mon golem, il fait une animation. Je sais pas ce que ça fait. Ça provoque les ennemis. D'accord. Quand ils ont un crâne sur la tête, ça veut dire qu'ils vont aller que taper ton golem. Ah, donc c'est de la redirection, c'est de la redirection d'aggro, quoi. C'est ça. Ok, un vrai boss de ce merdier là. Ah oui, bah là, t'entends pas la cloche, ça n'est pas il y a deux secondes. Ouais, sûrement, ouais. Ça veut dire, venez-vous casser la gueule. Ah. Négala, élu de Lilith. Voilà, bah, c'est plus de Négala, hein. Ça va chier. Je vois plus rien. Voilà. Elles sont 4 maintenant. Il me faut plus de temps. Ah, troll va, Kodzira. Oh, okay. J'ai encore sur. Bah, Negala est parti. J'ai retrouvé. Ça l'a pris. Je ne suis pas encore. Oula! Aucun. Ouais, pareil. Putain. Ah, ils ont tué ton golem. Salope. Je passe mon temps à leur courir après. Pareil. Hop là, j'en ai tué une. Il me faut plus de temps. Ah, saloperie de connasse. Une autre de mort. Elle est quasiment morte. Hop là, elle est morte. Ah, elle a volé la vie de ses copines. Oula, c'est quoi tout ce monde? Et provoque. Logiquement, il devrait te laisser tranquille. Il a une autre de mort. Ah, non, buter mon golem. Je tank, j'ai pris l'aggro. J'en ai tué deux. Faut pas j'en ai tué trois. Oh là là, oh là là, oh là, j'ai pris giga cher sa mère. Tiens. Et bah voilà. Ça pour me dropper ça. Quoi? Là il y a du stuff encore. Waouh, salope. Oh la pouffe! Ah oui! Si, hein! Laisse pas faire la grognasse, hein! Oh la vache! Oh, elle gueule pas! Oh putain de merde! Ah, viens! Il faut libérer le port. Dès que t'as récupéré ton stuff. Ça le transforme en vie. Petite cloche. Sanctuaire du rôdeur. Foreur inébranlable. Foreur imbranlable. Imbranlable le cobra. Relais verrouillé Nostrava. Ah, c'est devenu un nouveau relais ça. Ouais. Ok, damn. Alors,
J'ai un point de compétence. Il y a eu des petits fruits, je dis ça, je sais. Peut-on jamais. Oh, ça devait être vraiment des petits fruits parce que j'ai perdu 30 frames, c'est-à-dire une demi-seconde d'encodage. Donc ça devrait ça devait vraiment être minime, effectivement. Bonny Vulcain, Bonny Charlie, des bisous, à bientôt. Alors, qu'est-ce que je commence à développer là? Où est-ce que je vais maintenant avec la suite de ce build là? Que je commence à renforcer mes squelettes peut-être, fasse plus de dégâts, qui tombent plus. Ou alors que je commence peut-être à miser un peu sur mon golem. D'ailleurs, il y a une forge en lui. Je vais des items, vendre des items. Ouais. Après avoir passé au moins 4 secondes en bonne santé, votre vitesse d'attaque et celle de vos serviteurs est augmentée de 4%. Bonne santé, c'est jusqu'à 80% de TP. Non, je sais bien, c'est marqué en dessous. Ok. Je sais pas trop quoi valider là. Déjà maxé. J'ai le temps de refaire mes compétences vite fait. Ouais. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé sur quoi je vais partir. Moisson sinistre, consomme un cadavre, vous confère 2 points d'essence. Et ensuite, il y aura vol de mort. Après avoir consommé un cadavre, vous infligez 3% de dégâts supplémentaires pendant 6 secondes. C'est pexable sur 3 niveaux, donc c'est un point de 6. Ouais, je pourrais peut-être partir là-dessus. D'ailleurs, ça fait une heure qu'il pleut ici, un vrai déluge, j'ai un début de piscine. Oh merde! Ah! Retour of the piscine. Oh terrible. Cadavre, courant. Possible maudite. Oui, nécrophage. Ouais, non, je pense que je vais partir sur ce que j'ai vu tout à l'heure. Là. Allez. Tu disais, il y a une forge, c'est ça? Oui. Eh, il y a même un donge. Le refuge des sectateurs. Utiliser le bled. Ah oui, oh putain la vache. Plus loin encore s'il vous plaît, à l'autre bout du monde. Terra inondable et s'il pleut fort pendant 2 heures, c'est la piscine. C'est la piscine. In. Alors après Xavier, est-ce que tu fais partie de ces climato-sceptiques qui vont considérer qu'à partir du moment où l'eau ne s'infiltre plus dans le sol, ça veut dire que les nappes sont pleines et que donc on nous ment quand on nous parle de sécheresse? Bonne fortune. Bon vent et bonne fortune. Ouais. Tac. Wardet, j'espère que ta maison ne prendra pas la flotte. Il a croisé les doigts. Non, c'est à partir du moment où je peux piquer une tête dans mon jardin. Vu que le climat fasse des dingues, c'est bon, tout va bien. Ok.
Mais il est beaucoup mieux en fait en tout point. Ah, je perds 16 d'intel et 6 points de vie par victime. Mais je gagne 2% de chance d'obtenir un coup de chance. Des dégâts de compétences basiques. Ah, si je perds de l'intel, du coup, l'intel. L'intel, c'est augmente mes dégâts de compétences. Et augmente les éléments à toutes les résistances. La maison SF, elle est plus haute que le terrain. Pas trop de mal à TM avec ton build, tu t'amuses. Ah, c'est. J'avoue que je suis pas encore bien safe en fait dans ma manière de l'utiliser. J'ai encore des. Encore des choses qui me manquent, quand même. Encore un peu tendu. Compétence basique. Et là, du coup. Oh, c'est. Et là, on a une quête dans le donjon à faire. Incroyable. Ah, dans le bordel à côté, là? Ouais. Bon, c'est pas ça. Oh. Mais est-ce que je fais bien de faire ça? Parce que là, du coup, je perds 16 d'intel et 6 points de vie par victime. Ouais, c'est ça. Ça augmente mes compétences de base, donc ça, c'est bon. Ah oui d'accord, je perds littéralement 40,3% de compétences de base. Augmente les dégâts infligés par vos compétences de base et la statistique augmentée de 40,3% pour vos objets à votre niveau de parent. C'est peut-être pas le meilleur move à faire ça du coup. C'est compliqué de. D'être bien raccord avec tout ce bazar là. Vous pouvez prendre ce qu'il reste. Mmh. Ça se démantèle assez bien. On va se faire des matériaux. Revenez s'il vous faut quelque chose. Ok, bah c'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Bon bah go au donjon. Ok, j'arrive. On se perd juste pas de boucher. Ouais parce que alors là je vais faire la gueule. Hein. Oh pareil. Au moins, ça, mais... t'as un moyen de fuir, pas moi. Mais Askip, il y a une musique quand on arrive dans le donjon pour signaler qu'il est là. Je pense que c'est une info, tu attends. Ah, attends, avant de rentrer, je vais juste faire un petit truc def là. Par contre, le boss fight, moi personnellement, je n'ai pas claqué une popo. J'ai pas arrêté, moi. J'ai claqué une seule. En fait, il m'a damé de life et. Vu que mon armure oh. Il m'augmente une régène puis à des adversaires plus je régène de fou. Bah 10 secondes après j'étais full life. Oh, le bruit qu'on entend. Et ça c'est avec un seul, une seule armure légendaire. Hein. Avec un seul item légendaire. Qu'est-ce que ça va être avec un full item légendaire plus tard? Il peut être n'importe où dans le donjon là ton boucher de mort là. Oui, logiquement oui. Le début, on peut se faire aggro. Juste à la salle du boss, tu peux pas l'avoir. Ah,
a loupé un couloir au début. Boss de la forteresse qui vous drop 2 légendaires, pourtant je suis toujours en normal. D'accord. Oh, il y a un truc. La zone de quête. Il me faut plus de temps. Piston. Il est mort. On a terminé la quête. Moi je sais pas, j'ai bourré ma touche 3, j'ai tout fait péter. Je présente ma souris, je bourre 3, il y a tout qui explose, tout le monde meurt. Moi, c'est le principal. Oui. Prends la tête, tape. Quand j'attire les adversaires, pas fait tout péter. Là, c'est où ce con? Le poinçon. Ah oui, mais tu lui as donné de la force, hein, c'est pas vrai. C'est vrai que je tente pas assez. Oula! Putain! Oula, Dawa! Il me faut plus de temps. Mmh. Vérifier avant de descendre. Non, il n'y a pas de boucher. Ah, c'est mon golem, d'accord. Mon vélo! Ah, je prends trop cher au boule. What the? Arrêtez, d'accord, on est trop ancien, alors. Sur le boucher, je drop que de la merde, même pas de drop sur un ledge. Je pense qu'ils ont nerf son drop. Et pourtant, vu la chiantise du gonze, merci, mais non, merci quoi. Ah oui, non, mais je drop rien sur le boucher. Je l'ai tué 2 fois et c'était pas rentable. Moi, je l'ai croisé qu'une fois et j'ai juste eu l'opportunité de fuir. L'imbranlable. Incroyable. Paf. Ah,
casser toutes les caisses aussi. Wow. C'est ce bordel. Un boss sur la gueule. Là. Ah, parce qu'il y a ton golem qui attire l'aggro et il y a moi qui attire l'aggro. Donc les mobs savent pas quoi faire. On tape qui? Tant mieux pour qu'ils arrivent pas à décider. Moi je leur mets plein la gueule. Oh, j'ai un bâton. À demain, si ça t'intéresse. Wow. Le mentor protecteur. Oh, il a une double chasse. Enfin, un double. Oui, double chasse. Plus 36 d'intel. Ouais. C'est comme ma hache, mais en force. Mais en intel, pas. Ah, c'est l'heure de sortir de la moula. Et deux grands prêtres encore. Okay. Il me faut plus de temps. C'est un boss. Oh le bâtard. Ta zone qui touche la Shikumon là. Vas-y là. Oh merde. Tiens. Ah, il est lié au coffre. Démolisseur. Armorie de la cathédrale, bouclier gothique, mon cul sur la commode. Voilà ce coffre là. Oh, légendaire doré. Oh, légendaire. Non. Un anal. T'es un légendaire toi, mais tu te fous de la gueule. Non, je te jure. D'un jour, je t'ai passé le quota de deux lèches. Attends, je regarde ce que c'est. Vas-y. Un anneau. Résistance froid et ombre, plus 5% de dégâts d'ombre, 7 d'essence maximum. La Nova d'afflux sanguin explose à nouveau après un bref instant. Ah, mais c'est con, je m'en sers plus de l'afflux sanguin. Mais c'est quand? C'est quand? Ouais, il est bien, mais c'est quand? Je vais garder, on verra ce qu'on en fait. Oui. Voilà. Ouais. Je lui ai fait péter. Oula. Je lui ai fait péter. Oh, oh la vache. Oh Twitch. Non, on a rien dit. Je lui ai fait péter des montagnes de cadavres à la gueule jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouf. Oui, péter, oui. Elle a pété. Putain. Ah. Oh. Ah la langue qui fond, je vois, ça peut être dangereux. Ouais, non, mais ça va, c'est bang. Y'a R. What? Tu es enfermé? Oui, c'est à cause de ce con là.
faut plus de temps. Arrêtez de taper le front ancien, il est pas bon. Il tombe pas haut. Oh, il tente, tapez-moi. Le vrai visage. Oh non, me dites pas que vous avez clippé ça. Par pitié. Hein ? Quoi ? Oh, oh putain, non, pas lui. Quoi ? La Shkumun, là, je peux pas taper, moi, je regarde. Ah. Je joue plus. Ah. Et revenez là les gonzes. Ah. Oh. Il reste un petit endroit. Les disciples de ta mère. Qu'est-ce que ça ? Ah. Quoi ? Il y a encore un truc qui a failli me péter à la gueule. Hein. Autre chose qui pète. Bon, il se présente le donge là. On a fini ? Bon, on a fini, ouais. Bon, on va pas le boucher. Bah alors, le boucher, on pue la merde. Ta gueule ! Appelle-le pas. Il est fou lui. Du coup, TP, oh, bon, TP, sortir du donjon. TP out ou TP ville ? Oh, TP out, peut-être que la quête, il faut la rendre dans la ville. Dans la petite ville. Ouais, pas du tout. Ça a l'air surcheaté ou je rêve éveillé le golem. Le golem, oh ça va, ça a l'air de faire le boulot. Oh, petit TP à Kyovashad. Bah de toute façon la secondaire fallait qu'on la rende où? À Kyovashad. Bon bah voilà. Donc barrons-nous, tirons-nous, foutons le camp. On se casse. On se casse sur Mars, maintenant. Bon, c'est l'heure de démanteler les trucs. Et vendre d'autres trucs. Je suis en train de rendre la secondaire. Hé, hey, laissez-moi dans les palanques. Je vois ça. Oh, comme j'ai l'air lamentable. Rendez-moi mes yeux, voulez-vous? Est-ce que je les renfonce dans leurs orbites? Ah bon, on n'a pas gagné d'obol. Comme ça. Cette douleur! Oh, oh, mes orbites me brûlent! Oh mon dieu! Oh oh! Mes yeux! Mes yeux! Il est où le gonze? Il est parti? D'accord. Alors j'ai pas compris, mais il est parti visiblement. En fait le mec s'est libéré. Et en hurlant que ses orbites le brûlaient, en fait ses yeux se les ont enfoncés dans le crâne. Et je crois bien qu'il a... Il a eu une possession démoniaque et il a pété son bordel et il s'est barré. Et à l'entrée de la ville il a disparu. Je pense qu'on le retrouvera sur notre quête secondaire. Hein. Mmh. Curieux personnage. Oh, laisse le fuir, c'est malheureux. Malheureux. Il cassera les dents plus tard. Ok. Pour le boucher, il n'y a pas de musique, mais quand tu entres par exemple dans un donjon, il parle au début. C'est ça qui permet de savoir s'il y a le boucher de ses morts ou non. Ah, d'accord. Ouais, donc il y a quand même un trigger audio en fait qui se fait entendre quand. Quand t'arrives dans un donjon où il a décidé de poquer son cul, quoi. Alors vraiment, à chaque fois que je l'ai croisé, j'ai jamais entendu quoi que ce soit quand je suis rentré dans le donjon. Ah, c'est que t'écoutes rien aussi, bon, ça change pas. Pourtant j'ai ma chérie. Oh. Vous écoutez rien à deux. Ah, ok. Voilà. À répéter en PC. Oh bah je t'y invite fortement. c'est
foutre cette merde. C'est un peu ce que j'étais en train de me dire. J'ai un de ces bordels là-dedans. Au secours. Livre de Seymour. Bâton rare. Ah mais c'est pour sorcier. Je vais peut-être le mettre dans mon coffre. Si je le mets dans mon coffre, je peux le laisser à ma sorcière ce bâton? Si elle est en master, je sais pas quoi là. Non, elle est pas en master. Non, bah non. Les masters ont leur propre monde et les normaux ont leur propre monde aussi. Parce que là j'ai deux bâtons jaunes rares pour sorcier du cul. Oh. Nul. D'ailleurs ton sorcier avance en off. Ah non, non, pas du tout. Le sorcier c'est le perso coop donc il avancera demain. Il avancera demain. Ah demain c'est le bandit qui avance. Hein. C'est Aladdin. C'est quoi le petit symbole en haut à droite de certains items? C'est des items dont j'ai changé l'apparence. Tu vois? Alors, putain, wow, le nombre de quêtes qui traînent sur la map. Avec les gants, là, on le voit, là, notamment. Hop. Voilà. C'est des items où il y a des skins actifs dessus. Ouais. Je sais ce qu'on peut faire. Ouais. Dès que t'as fini. Allez, dodo. Ah, c'est possible aussi, hein, si t'es fatigué. Oui. Ok, oui. À quoi je comprends, à quoi je tilte que je suis fatigué? J'arrive même plus à lire de manière intelligible les descriptifs de chacune des armes pour comprendre à quel point c'est bien ou de la merde. Bonjour. Oui. Oui. Ah mais c'est que t'es là, je me disais putain mais c'est pas le bourgeon qui me parle. Je comprenais. Ouais moi j'aurais. Ouais. Hein. Bon, YouTube, ça avance tout doucement. Soon le level 28. Hein. A failli canner. Hein. On n'est pas rendu niveau 100. Hein. Au secours. Non. 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 Bon. La suite très vite. Des bisous YouTube. Et à bientôt.